Acte chapitre 2, verset 42, et Acte chapitre 5, verset 42. Donc, facile à retenir. 2, 42 et 5, 42. 2, 42, où il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Et Acte 5, 42 nous dit, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas, nous ne réalisons pas l'importance du livre des Actes des Apôtres en matière de rupture sacerdotale, en matière de service, en matière d'appartenance, en matière de recomposition du peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, qui pouvait servir? Et où est-ce qu'on pouvait servir? Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que les Lévites. Et parmi les Lévites, les fils d'Aaron, seuls, qui pouvaient entrer dans le lieu très saint et qui pouvaient servir, en tout cas offrir le sacrifice. Quand Jésus a dit aux disciples, « Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance d'en haut et vous serez mes témoins. » En fait, il a dit, « Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes serviteurs, mes sacrificateurs, vous serez mes lévites. » Il y a une autre forme de service qui est née, avec une autre forme de peuple, un autre genre de peuple, un autre genre de service qui est né. Ce n'est plus le sacrificateur, ce n'est plus le fils d'Aaron qui est là pour servir, mais c'est tout le monde. Tous ceux qui ont reçu le salut à Jésus-Christ, tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, donc qui sont qualifiés pour aller, tous ces gens-là, femmes comme hommes, sont des serviteurs et des servantes de Christ. Ils sont mandatés par Dieu, ils sont qualifiés pour Dieu, par Dieu pour aller dans le champ de Dieu et pour aller représenter Dieu. Et le lieu de service, ce n'est plus le temple de Jérusalem. Le lieu de service, comme on l'a vu, ça peut être dans chaque maison. Dans chaque maison. Là où deux ou trois sont réunis au nom de Jésus-Christ, eh bien, ça devient un temple. Ça devient une église. Parce que l'église, ça veut dire, le mot ecclésia, c'est le rassemblement. Et Paul dit, quand vous vous rassemblez en église, c'est-à-dire que chaque fois que vous êtes réunis en église. Donc il y a une rupture de modèle, il y a une rupture de paradigme dans l'approche même du service. Il y a même quand il y a une rupture de relation entre celui qui sert Dieu, celui qui veut aller en mission et Dieu. Avant, il y avait une relation privilégiée entre les prêtres et Dieu. Dieu parlait par les prêtres, ensuite il a parlé par les juges et ensuite les rois et puis les prophètes. Mais ici, tout le monde est prophète, tout le monde est juge, tout le monde est roi, tout le monde est prêtre. Donc il y a une rupture même dans la relation entre Dieu et ses serviteurs par rapport à l'Ancien Testament. C'est un privilège, n'est-ce pas? Mais c'est en même temps une responsabilité. Parce que nous sommes tous prophètes, nous sommes tous serviteurs, nous sommes tous prêtres, nous sommes tous juges, nous sommes tous rois. C'est pourquoi nous avons dit, pour ce qui est du même, que l'homme, il est prince, il est prêtre,
les serviteurs, tous les types de services qu'il y avait dans l'Ancien Testament, parce que Jésus a été en même temps prêtre, prince et prophète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je le disais, nous ne mesurons pas l'implication. Mais l'implication, c'est que cette Église qui est née, ce peuple nouveau qui a vu le jour, cette nouvelle façon de servir, cette nouvelle relation que Dieu a établie, ces nouveaux serviteurs que Dieu a suscités, alors ça fait qu'il n'y a plus de différence entre nous. Amen. Amen. Il n'y a plus de différence. On nous racontait l'histoire d'un pasteur. Alors, les titres archibishop, bishop et autres là, il a vu que tout cela, c'était pas à son niveau. Alors, il s'est fait appeler apôtre. C'est le prédicateur apôtre, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout le monde. Alors, on s'est taquiné en disant, mais ce Dieu est apôtre ou bien? Il n'y a plus de apôtre. Il n'y a plus de sacrificateur préféré, il n'y a plus de prophète préféré, il n'y a plus de grand prophète comme de petit prophète, parce que même dans la Bible, on dit grand prophète et petit prophète. Il n'y a même plus ça. Il n'y a que nous sommes devenus un seul peuple, un sacerdoce, une race royale, pour déclarer la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. C'est ce qu'on a appelé l'Église d'après acte 2. Acte 2 jusqu'à acte 6. C'est l'Église où tout le monde se sent à l'aise, où personne n'est exclu. Personne n'est exclu. C'est l'Église où tout le monde a quelque chose à faire. Personne ne doit rester oisif. C'est l'Église où on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem pour adorer, mais c'est l'Église où on transforme sa propre maison en Église, la petite ecclésia, avant que nous nous retrouvions en assemblée, la grande ecclésia. Amen. C'est l'Église où le père de famille est sacrificateur, il est prince et en même temps il est prophète. Il dit Dieu à ses enfants, il prend les préoccupations de toute sa famille qu'il présente à Dieu et en même temps il fait régner l'ordre. Amen. Il fait le lien d'or. Il fait comprendre aux uns et aux autres que la vie, ta vie là, elle n'est pas du hasard. Il y a des principes, il y a des règles. Et nous savons, quand nous rencontrons les gens, nous savons s'ils ont été, en tout cas, après 5 minutes ou 10 minutes, on se rend compte de quel type d'éducation la personne a reçu. N'est-ce pas? Parce qu'on a reçu une éducation. Ou on n'a pas reçu l'éducation, on a été éduqué par la rue. Ça, c'est ça aussi. Cette église-là, elle est une église qui appartient à Dieu et qui n'appartient à personne. Amen. Amen. Elle appartient à Dieu, mais elle n'appartient à personne. Parce que c'est notre église. Les enfants peuvent dire, c'est notre église. Les femmes peuvent dire, c'est notre église. Les hommes peuvent dire, c'est notre église. Les jeunes peuvent dire, c'est notre église. Parce que l'appartenance ou la qualification, c'est simplement le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui fait de nous, nous tous, des enfants de Dieu. Mais comme Dieu est un Dieu d'or, il a quand même placé dans l'église des responsables pour conduire, non pas pour régner, parce que Jésus lui-même a dit, eh bien, les rois de ce monde, ils règnent et ils oppriment. Mais vous, disant cela à ses disciples, mais vous allez donner l'exemple.
ne vous faites pas servir, servez les autres. Amen. Ne vous faites pas servir, mais au contraire, montrez l'exemple du principe divin en servant les autres. Alors, nous avons dit, il y a peut-être trois ou quatre ans de cela, que l'Église, cette Église-là, est bâtie sur trois piliers. Il y a la koinonia, il y a la diaconia et il y a la martyria. C'est-à-dire la communion fraternelle, le service et le témoignage ou prédication. Prenons la koinonia, la communion fraternelle. Il y a des églises où, si vous allez, si vous ne rencontrez pas, ou si vous ne montrez pas certains critères, vous ne pouvez pas appartenir. D'abord, il y a des églises de plan. À un moment donné dans l'histoire, il y avait des églises de plan où les noirs étaient exclus. Donc, la condition, c'est la peau blanche. Ce n'est pas le salut de Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ. Tout près de chez nous. Et ils se retrouvaient entre eux pour des réunions de prière où sont exclus les autres ethnies, ou les autres étudiants des autres pays. C'est pourquoi Abel Djalou a écrit un livre très intéressant, De quelle tribu es-tu? Ça, c'est le titre du livre. De quelle tribu es-tu? Est-ce que l'Église est bâtie sur le tribalisme? Est-ce que l'Église est bâtie sur l'ethnocisme? Ou bien l'Église rassemble tous ces gens-là, toutes les tribus, toutes les ethnies, pour en faire un seul peuple? En tout cas, à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, il y avait des gens de tous les bords. Tous ceux qui les entendaient parler, grec, etc., qui se sont convertis, eh bien, tous ces gens-là venaient d'ailleurs, mais ils ont été joints à la famille de Dieu le même jour par le même phénomène. Dans la Koinonia, c'est-à-dire la communion fraternelle, nul n'est exclu. Amen. Et si vous me permettez, ma vision de l'Église, c'est cette Église. Une Église où personne n'est exclu. Une Église où il n'y a pas une différenciation. Une Église où nous sommes ensemble. Nous luttons ensemble. Nous nous battons ensemble. Nous triomphons ensemble. Nous remportons nos victoires ensemble. Nous pleurons avec ceux qui pleurent. Nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent. C'est ça l'Église selon Acte 2. C'est le frère Ibel de Willow Creek. Il disait, quand j'étais enfant, j'allais à une église avec mon père. Et dans cette église-là, eh bien, c'était une église de camp. La famille, vous allez dire, la famille Widerao s'assoit ici. La famille Compaoré par là. La famille Kabore, et puis un jour, ils sont allés à l'église et il a vu qu'il y avait une famille qui n'était pas là. Et il a posé la question à son père. Mais où est cette famille? Et son père lui a dit, bon, ils ont eu des problèmes, on les a exclus de l'église. Il dit que ça a été le point de départ. Enfin, c'était la chose qui l'a marqué et qui l'a amené à créer une église où personne n'est exclu. Personne n'est exclu. Et oui, le prix, quand vous arrivez, eh bien, bien que ce soit aux États-Unis, le dimanche, une grande assemblée de plusieurs milliers de chrétiens, le dimanche, il y a toujours un repas. Si tu veux, tu restes, tu manges, si tu ne veux pas, tu rentres, mais il y a toujours quelque chose pour la communion fraternelle.
pour la communion fraternelle. La koinonia. Il y a des églises qui, après le culte, eh bien, on fuit comme si la maison était en feu. On s'en va comme si on a regretté d'être venu à l'église. Parce qu'il y a des gens, on ne peut pas les saluer. Si tu dis que tu ne peux pas demeurer avec quelqu'un sous la même ombre et la nuit, qu'est-ce que tu fais? Une église où la communion fraternelle prévise, où on est au courant, où nous informons. Si vous avez un problème, informez les autres parce que vous n'êtes plus seul. Vous êtes en communauté. Vous êtes en communauté, vous êtes en famille. Informez les gens de vos problèmes. Même si on n'a rien à faire, si on ne peut rien faire, au moins on peut prier pour vous. Amen. Amen. Ne vivez pas vos problèmes seuls. Et que ce soit au niveau de la JAR, que ce soit au niveau du maire, de l'ANC, et du DENA, diacre ancien, quand nous entendons et quand nous sommes au courant d'une situation, allons. Allons aider la personne. Allons compatir. On dit que la compassion n'a pas besoin de mots, mais elle a besoin de présence. Soyons présents. Et la personne comprendra qu'il y a des gens qui l'aiment. Vous savez, nul ne résiste à l'amour. Et tout le monde a besoin d'amour. Et seulement, l'amour est elle est la marchandise qu'on partage la moindre. Pourtant, nous avons tous besoin d'amour. Nous avons tous besoin d'appréciation. Nous avons tous besoin d'appartenir. Ça, c'est la communion fraternelle. Ensuite, il y a la diaconia, le service. Nous avons vu que le premier problème qui s'est posé à cette église idéale n'a pas été un problème théologique, non pas un problème doctrinal, mais un problème purement social, un problème de service, de mauvaise qualité de service. Acte chapitre 6, verset 1. Dans le service, on a négligé certaines personnes parce que dans la communion fraternelle, on a négligé ces personnes-là. Et chacun servait son chacun. C'est comme quand vous allez à un mariage ici. Vous êtes assis, on passe, le plat passe à côté, ça revient, ça passe plusieurs fois. Vous êtes assis parce que vous ne connaissez personne parmi ceux qui servent là. Vous êtes là avec votre assiette, si vous avez une assiette. Et vous êtes là. Vous voyez passer les choses. Mais vous ne profiterez jamais. On ne s'arrêtera jamais pour vous servir. C'était la même chose dans l'église, dans la première église à Jérusalem. Les veuves de la diaspora étaient là, assises, et pendant ce temps on passait, c'était les Hébreux entre eux, les Hébreux qui servaient donc les veuves hébreux. Finalement, les autres disaient, on est là pourquoi? Est-ce que nous faisons partie de la communauté ou nous sommes exclus de la communauté? Et le problème a été tel que on l'a posé aux apôtres. Et les apôtres ont dit, il faut trouver une solution. Il faut qu'il y ait des gens qui servent l'Église, mais sans considération quelconque. Amen. Amen. Nous sommes appelés, comme je le disais tantôt, à nous porter secours. Ça, c'est le premier volet du service. Nous sommes appelés aussi à servir Dieu. C'est comme Kennedy l'a dit, n'attendez pas de votre nation qu'elle vous apporte quelque chose. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que je peux apporter à ma nation? N'attendez pas de votre église. Voilà, dans la jarre, là, on a pris tout le monde, m'a laissé. Dans le maire, on a pris tout le monde, m'a laissé. Dans l'ASC, on a pris tout le monde. Non, ce n'est pas ça.
Le service que Dieu qualifie et récompense, c'est le service qui est inconnu, inaperçu. Amen. Mais c'est que nous les hommes, on ne veut pas ça. Parce qu'on veut que, quelque part, on dise que c'est un Dieu qui a fait ça. Dès lors qu'on dit que c'est un Dieu qui a fait ça, tu as perdu ta récompense. Je peux être trop méchant. Tu as perdu une partie de ta récompense. Servons Dieu d'une manière inconnue. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un le connaisse notre service pourvu que Dieu, il voit ce que nous faisons. Et le Dieu des cieux, il vous récompensera. Il le fera. Certainement, il le fera. Ça, c'est la diaconia, le service. Le service. Et le Seigneur nous a appelés à servir. À le servir. En le remplaçant, il ne reviendra plus. Il aurait pu envoyer des anges, mais il n'enverra pas des anges. Il compte sur quoi? Il compte sur moi pour non seulement annoncer l'Église, mais entretenir cette Église, bénir cette Église, jusqu'à ce qu'il le fasse. Amen. Et alors là, chacun va s'approcher. Nous avons dit qu'il n'y a pas de jugement pour le chrétien. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord là-dessus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Mais il y a une évaluation quotidienne de chaque chrétien. Dieu nous évalue quotidiennement. Le Saint-Esprit nous évalue quotidiennement. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait hier? Peut-être que tu ne te souviens pas, mais Dieu lui se souvient. Le Saint-Esprit, il a un cahier. Il marque tout. Il évalue. Et tu seras récompensé par rapport à son évaluation. Il va évaluer. Ça, c'est la diaconia, le service. Troisième point, c'est la martyrie. C'est-à-dire l'enseignement. L'enseignement. Ou le témoignage. Nous avons parlé de l'effet des paroles le dimanche passé. Dieu nous a donné la bouche. Ce n'est pas pour seulement critiquer les gens, mais c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour dire de mauvaises nouvelles, mais c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi préférer les mauvaises nouvelles alors qu'il y a la bonne nouvelle? Pourquoi remplir cette bouche-là de mauvaises choses alors qu'il y a des bonnes choses? C'est le témoignage ou l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Celui qui ne veut pas être enseigné, il n'avancera jamais. Il n'ira nulle part. Parce que les émotions s'en vont, mais ce sont les idées qui nous fixent. Aujourd'hui, les gens vivent d'émotions. J'ai assisté à des réunions où l'enseignement est nul. L'enseignement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que, eh bien, les apôtres les enseignaient dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, on a tendance à rejeter l'enseignement et à ne vivre que sur l'expérience, sur le sensationnel. Le sensationnel ne vous gardera pas longtemps. Pas du tout. Peuple de Dieu, je vous le dis, le sensationnel ne vous gardera pas longtemps. C'est la parole de Dieu qui seul peut nous transformer et nous établir profondément en Dieu et faire en sorte que s'il y a épreuve, nous nous référons à quelque chose. D'écrit. On parle de la Numidie, c'est-à-dire cette partie de l'Algérie, le bassin du Nil en général, la Tunisie, Alexandrie, c'était des régions chrétiennes. Les premières facultés de théologie, c'était à Alexandrie, là où se trouvait Augustin, qui était berbère, donc algérien. Mais pendant
qu'ailleurs on enseignait, là-bas, on discutait. Personne n'était d'accord sur quoi que ce soit. Mais le pays où on a enseigné, c'est-à-dire la partie copte de l'Égypte, ou bien en Éthiopie, ces églises-là sont restées des églises traditionnelles. On peut leur reprocher de ne pas être évangéliques, mais elles ont conservé le message parce qu'elles ont mis l'accent sur l'enseignement. Elles se verront dans l'enseignement. Quand vous entendez qu'il y a un enseignement quelque part, voyez le thème et allez. Je vous invite à aller. Je ne suis pas là pour vous protéger, enfin, je dis, pour vous. Pour vous monopoliser. Pour vous garder à moi. Non. Vous n'êtes pas venu à moi. Vous êtes venu au Seigneur. Amen. Et vous êtes redevable au Seigneur. Quand je vais me présenter, on va dire, Élie, viens recevoir ta part. Là, je vais aller recevoir. Et puis on dira, Samuel, viens. Samuel aussi va aller recevoir. Simeon vient. Simeon va aller recevoir. Mais c'est à chacun selon ce qu'il a fait. Et on ne peut faire que ce qu'on a, selon ce qu'on a entendu. La manière dont on a été enseigné. Le protectionnisme, ça n'existe pas dans la foi chrétienne. Que le Seigneur nous donne de comprendre. Et que le Seigneur nous donne vraiment d'être de cette première église. C'est pourquoi Luc a écrit dans les années 60, pour montrer que la vraie église, l'église idéale, c'était l'église selon Acte 2. Et qu'après, il y a des gens qui vont s'éloigner, et qui ont commencé même à s'éloigner. Quand Paul parlait de la Sainte Seine, dans 1 Corinthiens chapitre 11. Mais c'était un problème. Parce que déjà, il y avait des casses. Il y avait des creux. Et quand on se retrouvait, eh bien, les riches mangeaient ensemble, les pauvres étaient là et n'avaient pas grand-chose à manger. Et Paul dit non. Parce qu'on mangeait le repas avant de se réunir pour la table du Seigneur. Et les riches, ils mangeaient à gogo, il y avait des choses, vraiment, tout. Le pauvre, c'était son bien d'eau, son bien chien d'eau, et puis ça ne suffisait même pas. Et Luc a écrit pour dire, non, voilà l'église idéale. Faisons de notre église une église idéale. Amen. Où il y a la communion fraternelle, où il y a le service, où il y a le témoignage, enseignement que nous pouvons recevoir de nos responsables, mais que nous pouvons partager en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Amen.
Thank you.